s'il te plaît. Tranquille, mes louloutes. Alors, c'est qui? Tranquillement, tranquille. Eh, appelle, va me tuer aujourd'hui. Il y avait le bruit de... On dit quoi, mes louloutes? Allume, mais sans mettre le truc. Tranquille, désolé, diminuer simplement. Je m'apprête à sortir, comme ça fait 2 jours. J'ai dit, fais un petit direct avant de sortir, tranquille. Donc, tranquillement, tranquille. J'espère que vous vous portez bien. Qui m'appelle là même? Oh. Je suis en retard, mais je fais mal. Je fais genre. Tranquille. J'espère que vous vous portez bien. Attendez, je vois. Je vais mettre mon son. Tout tranquille. Excusez-moi, 2 jours là, j'étais un peu occupée. Très occupée. Parce que j'avais plusieurs rendez-vous. Hier, je suis rentrée tard. Aujourd'hui, j'ai un dîner d'affaires. Pour ne pas dire un dîner, 3 points de suspension. Ah, pipi chou la joie, c'est à cause de toi, mais je fais direct. Parce que j'ai vu dans ton commentaire, Lolo Beauté, il y a longtemps. Donc, c'est à cause de toi, je fais ce petit direct. Commencez le partage. Vous savez, on a une seule règle lorsque Lolo Beauté est en direct. Dès que vous voyez Lolo Beauté en direct, vous commencez à partager le direct de Lolo Beauté au maximum. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que s'il n'y a pas 2000 partages, vous savez, je sais. Ce que vous savez que je sais, que nous savons là. Je ne vais pas dire. C'est de ça qu'il s'agit. Ça fait 3 jours. Les gens parlaient sur Facebook. Ils ont parlé, oh. Les gens vidaient les sacs. Ils ont bavadé. Les gens bavadaient. Hey. Maintenant, c'est autour de Lolo. C'est tout. Quand Capitana n'est pas sur les réseaux sociaux, là, c'est pas doux. C'est de pas ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquillement, tranquille. Toujours. Donc, oh, attendez, je vais mettre ma petite musique parce que j'ai au moins 1 heure de temps. On commence à partager le direct de Lolo Beauté. 25 voilà. On commence à partager le direct de Lolo Beauté. Je vais voir mon Bluetooth. C'est pas un direct prévu, hein, donc c'est normal que... Voilà, je m'attarde sur certaines choses. On partage au maximum. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, il y a des femmes qui m'ont écrit... qui m'ont dit, Lolo Beauté, j'ai gagné une gamme de produits. Mais vous savez que quand Lolo Beauté est en direct, je fais plein de cadeaux, je cite les noms des femmes. C'est clair. Mais lorsque je cite les noms des femmes, tranquille, mais il y a dit 20 euros de frais de poste, c'est difficile pour vous. 10 000 ou 15 000 de frais de poste, c'est difficile pour vous. Les gammes que je vous envoie là, c'est les gammes de 250 euros, 300 euros. Mm-hmm. Donc, quand je cite les noms des personnes qui ont gagné des gammes de produits, si vous ne me contactez pas dans 2 jours, alors votre commande est annulée. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je le fais pour vous faire plaisir. Donc, pour des frais de poste, vous allez mettre assez de temps. Alors là, ça, franchement. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. On vit maintenant 100 à l'heure. Tranquille. Le goût de ça. On vit maintenant 100 à l'heure. 100 à l'heure. C'est de ça qu'il s'agit. Eh oui. J'ai pas le temps. Je suis en train de... Voilà. De... Uh-huh. Ah, uh-huh. Ça chauffe. Ça chauffe des... Ça chauffe. Ça chauffe. Ha. Eh, Seigneur, j'aime être quoi? Eh, il y a longtemps, on a dansé et une noce, hein. Le temps que vous partagez le direct. Tranquille. Ou même Matiko. J'aime bien ça. Chantal Taïba. Toujours Inox. Tu veux pas? On va danser un peu de Matiko. Inox ou bien Matiko? Bon, les Lolo Boss choisissez. Moi, je dis Inox. Parce que Inox, c'est notre hymne national. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Mais Chantal Taïba, elle est ivoirienne. Hein. Attention, hein, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Inox hein. Aussi a été dans tous les combats jusqu'à la délivrance. Ouh. Un jour, les midis où il n'y aura plus de larmes. Tranquille. Il fera jour. Le jour vient.
Le perroquet va nous tuer, laissez le perroquet. Oui, allô? Son affaire est trop grave. Oui, bonjour madame. J'espère que vous vous portez bien. On dirait que vous appelez le perroquet. C'est... Tranquille. Bien, perroquet va nous tuer. Perroquet va nous tuer, s'il vous plaît. Je vais regarder le nombre de partages. Et nous avons commencé. Parce que nous sommes en direct, ça va chauffer tout à l'heure. Ça appelle seulement. Tranquille. Mais Lolo, ça fait 2 jours que je te cherche. Mais je suis occupée. Est-ce que tu sais où Lolo se trouve à l'air là? Hey! Mais je suis occupée. Lolo est dans bon à l'air là. Trop chiant. Grâce à vous, j'ai eu plusieurs marchés. Amen. Il faut que je vous le dise. Amen. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me donnent beaucoup de conseils. Vraiment. Tranquillement, tranquille. À toutes les personnes qui m'encouragent dans ce que je fais, voilà, je vous dis merci parce que grâce à vous, ça va chez moi. Vraiment. La grâce de Dieu. Depuis que je suis arrivée en France, voilà, j'ai plusieurs contacts, tranquille, des personnes qui m'appellent. Les vrais contacts. Discuter affaires. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi vous ne me voyez pas. Yes. Tranquillement, tranquille. Toujours. Il y a eu un boom. Hey. Nucléaire sur internet. On n'a pas vu Lolo beauté. Il y a eu un boom. En ce moment précis, j'ai compris que c'est pas Lolo beauté la seule immature. Les personnes immatures, on est beaucoup. On est en tas. Les mercons, les lâcheuses, les ceci, les culottes à l'aéroport. J'ai dit pour une fois, Lolo beauté n'est pas dedans. Tu n'es pas dedans. Tranquillement, tranquille. Je l'ai regardé. Quand tu es trop occupé, c'est pas dans tout, faut mettre ta bouche. Je te dis, il y a des personnes qui sont rentrées dans mon inbox. Lolo beauté, tu dois détruire Aisha Yang. Oh non. Tu dois détruire. Il y a une artiste, je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne retiens jamais son nom. Tu dois la détruire. Quand vous avez besoin de ma gueule là, c'est en ce moment précis, vous savez où me trouver. La gueule de Lolo beauté est sanctifiée maintenant. En tout cas, c'est sanctifié d'elle. Ma bouche là, quand je fais sortir ça là, c'est qu'il y a l'argent. Il y a le wari, il y a le dieu. Vous savez ce que les Burkinabés ont fait pour moi? En fait, il y a des personnes, lorsqu'elles s'ennuient sur les réseaux sociaux, en fait, elles chargent les problèmes, ouvre un peu, ils chargent les problèmes parce qu'ils ont envie d'insulter. Le jour où moi, Lolo beauté, je vais insulter un Burkinabé là, j'ai fait accident. En tout cas, c'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, si c'est sur moi, vous comptez pour faire palabre inachevé là. Alors là, vous allez tirer à terre. Déjà, c'est comme ça, il y avait beaucoup d'immatures sur les réseaux sociaux. J'ai pensé que c'était Lolo beauté, comme on appelle ça, la seule sauvage des réseaux sociaux. Moi, ma sauvagerie là, ça a une date de péremption. En tout cas, c'est ce que vous devez mettre dans votre tête. Vous pensez que moi, ma vie là, une mère de 5 enfants, regardez comment mes portables crépitent d'affaires. Vous savez ce que les Burkinabés font rentrer dans mon compte en banque? Vous vous levez comme ça un matin. Oui, Lolo beauté, il faut aller insulter les Burkinabés. Parce que oui, il y a des Burkinabés qui ont insulté les Ivoiriens. Façon Ivoirien, insulter Burkinabé là. C'est comme ça, Burkinabé insulter Ivoirien. Donc, je vous laisse vous insulter. Martini, tu m'as insulté. Je vous laisse vous insulter. Parce que à faire où moi, je n'étais pas là-bas là. Je ne peux pas mettre ma bouche non, dedans. Non. À faire où je n'étais pas présente. Je n'étais pas témoin oculaire. Je ne peux pas mettre ma bouche dedans. Regardez comment 2 jours là, je respire en la tout cas, santé. Tu respires. Je respire la jeunesse. Et ça détecte sur moi aussi. C'est-à-dire, des palabres inachevées. Parce que vous êtes en manque de buzz. On va s'élever, on va l'insulter, on va faire ceci. Si moi je suis en vie aujourd'hui là, c'est grâce à une fille burkinabé. En tout cas, des... ma propre soeur ivoirienne a failli détruire mon bras droit. Ourourou. Je travaillais avec une fille dans un salon de coiffure où moi je faisais l'esthétique. Je vais les prendre. Parce que vous ne savez pas, quand vous gueulez là. En fait, moi quand j'ai regardé, une femme d'affaires de mon renommée de ta trompe, ne doit pas se mélanger aux cafards et aux insectes. Je vais vous choquer ce soir là. Je suis une femme d'affaires. En tout cas. Une femme qui mange au Burkina, qui mange en Côte d'Ivoire, qui mange en Guinée, qui mange au Mali, qui mange au Maroc. Vous me voyez me traîner avec la clique et la racaille. Oui, on va aller défendre notre soeur. Dans nos familles là, on n'est pas beaucoup. C'est pour eux là, moi je connais.
je pouvais bien me lever pour défendre Eunice. Parce que ce que vous ne savez pas, en tout cas, Eunice, lorsque les Ivoiriens ont dit Lolo Beauté, on va la détruire, on va tuer Lolo Beauté. C'est Eunice seule qui s'est levée. Partagez-moi le direct. Eunice seule qui s'est levée pour prendre moi ma défense. C'est vrai, vérité. Dans tout ce foutoir là, c'est Eunice seule qui s'est levée pour prendre ma défense. Hey, mais si elle savait, ils l'ont menacé. Oh. Ce jour-là, j'ai coulé des larmes pour Eunice. Parce que je dis, moi je fais Niaga des nations. Toi tu fais Niaga de quartier. C'est pas la même chose, c'est pas le même level. Faut pas venir te mélanger au Niaga que moi j'ai créé. Faut laisser madame ça. Des lions, des elle lions, est quittée dedans, choco, dit ma grande soeur. Les Ivoiriens m'ont appelé, ils m'ont menacé. Quand oui, ils vont faire ceci, quand oui, on va faire ceci, il dit tais-toi. Vous, les Ivoiriens, vous êtes solidaires aujourd'hui. Vous me parlez de quelle solidarité? Vous me parlez de quelle solidarité? En tout cas, c'est pas étouffé. Que tous les Burkinabés mettent le drapeau des Burkina. Que tous les Ivoiriens mettent le drapeau des Ivoiriens. Que tous les Camerounais, Maliens. Que tout, bon, ça, on n'est pas en quoi eux. Voilà. J'ai venu vous parler, puis je vous dis quelque chose que vous n'avez pas encore compris. Si c'était dans mon avant là, parce que je cherche buzz là, j'ai venu insulter les Burkinabés. Burkinabés m'a fait quoi? Le temps où les Ivoiriens étaient sur ma vie là, c'est les Burkinabés qui me soutenaient. Donc là, en plus d'être Ivoirienne, je suis Burkinabé. Yes! Ça fait la deuxième fois que je vous relate les faits. Quand on dit un pays où il y a plus de respect sur Burkina, c'est vrai. Ivoirien est plus impoli qu'un Burkinabé, disons-nous la vérité vivante. C'est les Burkinabés qui sont les plus respectueux. Donc une affaire, je ne compare pas les Burkinabés aux Ivoiriens parce non, vous les en bas de manioc, là, vous qui ne savez pas chercher l'argent, vous attendez et puis vous analysez. En fait, ce qui me plaît, c'est que quand Lolo Beauté chie, c'est en ce moment précis que les blogueurs en bas de manioc viennent nettoyer les fesses. Mais vous là, vous êtes des lapins de caca, hein. Quand on fait là ces produits là, je n'ai pas vu un. Bon, je n'ai pas vu un de lucide. Disons-nous la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, ma propre soeur ivoirienne attendrait, on m'appelle. J'ai un rendez-vous, on est en train de m'appeler seulement. Moi, il t'a dit où? Excusez-moi. Moi, ma propre soeur ivoirienne, je travaillais avec ma propre soeur ivoirienne. Quand elle a su que mes produits marchaient beaucoup, elle s'est levée, aller au Ghana, aller voir un féticheur pour essayer de détruire ma mère. Vous savez qui m'a sauvé? Je dis, je le redis et je le dis, je dois ma vie au Burkina, au Burkinabé. Parce que c'est une fille Burkinabé qui travaillait dans le même salon que nous, qui m'a dit, Lolo, commence à prier. Ta soeur, là, elle a envoyé ton bras là, très loin, si tu ne fais pas attention. Très loin. Tu ne pourras plus jamais rien faire. J'ai dit, ah bon, elle dit oui. Une Burkinabé a quel intérêt avec moi pour venir me sauver la vie? Je t'ai dit, hein? Elle a quel intérêt à venir me sauver la vie? Aujourd'hui, on aurait appris que Eunice, notre soeur, a été agressée à l'aéroport. C'est elle-même qui a bon, Eunice, avec tout le respect que je t'ai dit, tu es rentrée en Côte d'Ivoire avec quelques blessures. Faut supporter ça comme ça. La vie est à choix. Ah. Souvent, il y a des choses où on s'attarde pas dessus. C'est vrai. Tu n'es pas morte. Tu as envie. Heureusement pour toi que tu ne mets pas des produits éclaircissants. Si c'était moi, Lolo Beauté, là, tous mes pieds, mes mains, là, tout était enflé, 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 enflé. Tout était bleu, bleu, bleu. Dieu merci que tu es noir. Demain, tu allais faire. Tu es rentré en vie. Moi, depuis que moi, je voyage, là, vous savez le voyage. Peut-être que vous ne savez pas ce qu'on appelle voyage. Quand tu voyages, même que tu es dans l'avion, tu n'es pas en sécurité. C'est donc, clair. Habille-toi bien. Les Burkinabés disent qu'on ne porte pas culotte pour rentrer dans leur avion. Dans leur aéroport. Vous vous dites oui, que oui, on doit porter. Allez-y. Si vous êtes garçon, j'attends le premier testicula qui va porter culotte pour aller défier les lois. Comment on appelle ça la police Burkinabé? Allez-y, c'est leur loi. Alors foutez-leur la paix. On dit on ne porte pas culotte pour rentrer là-bas. On ne porte pas culotte. Tu es trop fâché. Faut mettre basé riche sur toi et puis faut passer. C'est tout. Habite-toi en basé riche. C'est forcé. On dit non, il y a des Miss Ohé. On dit Miss Burkinabé, Burkinabé avant tout. De la même manière, on dit Ivoirien avec tout, avant tout. Donc comprenez une seule chose. C'est tout. On te dit qu'on ne porte pas de culotte. Ma soeur, la première des choses, c'est de chercher des toilettes. Parce que tu avais encore tes valises. Dans tes valises, il y a eu beaucoup d'habits. Tu vas t'habiller.
voyage, je me fais respecter. En tout cas, des... je ne me joue pas au star. Non, jamais. Je ne dis pas que quand c'est moi, hey, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, là, il n'y a pas un, je le dis, il n'y a pas un qui peut parler sur Lolo Beauté. Pourquoi? Parce que je ne te donne pas des raisons de venir me manquer de respect. Quand je voyage, même quand je voyage avec les jumelles, je suis toujours en guille, en polo. C'est-à-dire, je suis préparé à toute éventualité. Parce qu'il y a des sauvages. Ils peuvent te trouver dans la rue comme ça. Oui, c'est toi. Il dit, come on, qui est tombé, te frapper, te déposer ton corps à côté. Donc, quand je voyage, je me dis que je vais en guerre. Parce que tu ne sais pas qui tu peux croiser. Ceux qui ont une fois pris à vieux moi Lolo Beauté là, ne diront jamais que j'ai une fois pris kilo. Pourquoi même? Donc c'est quelle starmania je cherche d'avion? C'est quelle starmania que moi Lolo Beauté je cherche d'avion? Ceux qui m'ont une fois vu avec les jumelles là, je ne prends souvent même pas poussette. Je prends pagne, je mets mes enfants au dos, j'attache un pagne comme au village. Et puis je suis dans l'aéroport là, c'est un bâtard qui a payé mon billet. Aïe! C'est un mercanté qui a payé mon billet. Un bodakou. C'est un babier qui a payé mon billet. Pour me dire que oui, pourquoi comme toi tu es trop star, mon chérie, pourquoi tu mets tes enfants? Hey, quand je portais les 9 mois de mes jumelles dans mon ventre, toi tu étais où, stérile que tu sois. Nulle part. Donc je m'apprête à toute éventualité pour être à l'aise. Voilà. Je m'habille très bien, attache mes enfants au dos s'il le faut. En tout cas, je profite. Et puis je vais prendre mon avion. Hey. Voilà. Quand on dit ivoirienne qui voyage le plus au monde, votre starlette là, votre starmania à 2 balles là, mettez-vous tranquille. C'est moi là, la beauté, j'ai fait Abidjan, Paris, comme à Boubacamé. Donc vous, vous la taisez-vous et puis écoutez-moi. C'est moi, je voyage beaucoup, donc vous la écoutez-moi, je vous dis certaines choses. Oh, dis tout. Quand on monte un avion, tu dois être en jean. Voilà. En pantalon. En jean. Tu dois être en polo, voilà. Même si le haut est décolleté, mais tu as une petite veste là-dessus. Tu dois t'habiller correctement. Voilà. Pour que celui qui est en face de toi là, puisse au moins avoir un égard de respect envers toi. C'est de ça qu'il s'agit. Elise, moi je te dis la vérité, ma petite sœur. Dis-lui. L'habillement que tu as porté là, ça ne nous faisait pas honneur. Vraiment. Tu t'habilles très bien. Quand on dit l'ivoirienne qui s'habille bien, c'est Elise. C'est Elise. Quand on dit l'ivoirienne qui a forme, c'est toi Elise. C'est quelle histoire de culotte que tu t'as emportée, André, une vendeuse de charbon. Peut-être qu'il y a un petit démon qui est à côté. Mais tu le sais, démon, il est souvent quand le malheur veut arriver là, ça arrive. Ça arrive vraiment. Vérité. Ma soeur, faut t'asseoir, tu n'es pas morte. Mm-hmm. Peut-être demain là, ça allait être plus pire, ça allait être pire que ce qu'on voit là. Tu es arrivé, tu es en bonne santé, il y avait une photo même qui était allée quelque part en train de danser. Trop chic. Dis gloire à Dieu. En tout cas, c'est tout. Les Burkinabés disent, vous les Ivoiriens pauvrolos là. Qui cherchait par là-bas, cette histoire-là. Ne venez pas essayer de distraire mon esprit pour me dire que c'est les Burkinabés qui ont commencé à insulter. C'est, on a commencé en même temps, personne n'a raison. De la même manière, les Burkinabés se sont levés pour insulter, c'est de la même manière les Ivoiriens. On ne sait même pas qui a commencé, donc arrêtez. Vos histoires de dire, oui, c'est les Burkinabés, ils ont raison de se défendre. Vous, n'avez pas insulté beaucoup de mères qu'on ici, on connaît bien, qui sait tout ça là? On a entendu beaucoup de mères qu'on a entendu mères qu'on. Donc pourquoi vous voulez que les Burkinabés se taisent? Mères qu'on. Arrivé à un moment donné là, soyons sages. Vraiment. Je voyais des vieilles dames qui se jouaient la classe. Quand on est vieille, on est sage pour venir dire des deux camps, taisez-vous. Taisez-vous, hein. Donnons conseil à notre soeur et puis bien bas. Vous pensez que c'est une Ivoirienne ou un Ivoirien qui va aller changer la loi de Burkinabé? Vous êtes malade ou quoi? Ça va pas, ils ont pissé dans vos têtes. Vous êtes malade ou quoi? Parce que c'est une Ivoirienne, donc les Burkinabés doivent changer la loi. Réveillez-vous, mes très chers bâtards. Réveillez-vous. C'est pas de ça qu'il s'agit. Les Burkinabés ne changeront pas les lois. La loi, c'est la loi. On dit que l'autre ne rentre pas, ma soeur. Si tu t'es fâché, faut te déshabiller. C'est tout. On n'était pas là-bas, on charge une histoire. Insulter tout un peuple. Tout un peuple. Mais je comprends. Quand on ne fait pas d'affaires, qu'on n'a pas l'esprit de gagner l'argent, on peut s'en donner à ces conneries-là. C'est ça, et nous, c'est nous, ça, c'est nous, ça, c'est ça. C'est du business. Moi, je suis une business woman. Il y a des clients. Donc, quand j'ai un problème là, je m'assieds d'abord. Je regarde le pour et le contre. Contre. Parce qu'il y a une hôtesse qui a parlé dans un direct. Il y a le direct encore dans mon téléphone. Hein. Il y a un monsieur qui a fait un direct qui a expliqué un peu comment la scène s'est passée. Il voit rien à gros cœur. Mais ce n'est pas dans tous les pays qu'on doit prendre notre gros cœur à parler. C'est vrai. Tranquille. Un
plus c'est ma soeur, je peux bien la défendre. Mais elle défend en quoi? Bon, qu'est-ce que je défends? Qu'est-ce que je défends? D'aller dire au président burkinabé que quand Ivoirien arrive au Burkina, nous on est roi. Parce que quoi? Pardonnez. Il y a déjà une tension, partagez-moi le direct, entre les Burkinabés et les Ivoiriens. Il y a eu trop de frustration. Vous savez, trop de frustration. On voit la révolution. On n'avait jamais vu les Burkinabés venir insulter les Ivoiriens. Jamais. Vous avez vu maintenant qu'un Burkinabé a un blogueur qui insulte. C'est aujourd'hui là, vous avez vu. À force de dire que Facebook c'est pour nous, Facebook c'est pour nous là, on entraîne d'autres pays. On entraîne. Hein. Ils arrivent. Hein. Ils arrivent. Hein. Ils arrivent. On n'a pas le monopole de la parole. Hein. Mais cela ne veut pas dire que j'encourage les Burkinabés à insulter. Jamais. Mais c'est pour dire à mes frères, avant qu'on ne prononce des injures lourdes, essayons de s'asseoir en tant qu'intellectuel, personne réfléchie et mature, et puis demander qu'est-ce qui se passe. Notre soeur, il y a eu quelque chose qui s'est passé au Burkina, mais tu es arrivé. Dieu merci, ton pied n'est pas cassé. C'est quand il y a le pire là qu'on peut se déchaîner comme ça. Voilà. Est-ce que Eni s'était couché à la pizza à Bouddha? Par exemple, je l'ai vu danser pas plus tard qu'hier ou aujourd'hui là. Elle était couchée où? Et puis elle-même est passée à autre chose même. Elle-même elle est passée à autre chose. C'est-à-dire, vous-même, certains Ivoiriens, même vous chargez à faire, on dirait que vous êtes en manque de buzz. C'est buzz qui remplit votre compte en banque. Non! En fait, moi j'ai envie de vous poser cette question. C'est buzz, moi au moins quand Lolo Beauté, quand j'ai dit à buzz. Pense publicité! Regardez-moi un peu, regardez, je dis. Est-ce que vous regardez? Regardez, vous montrez, il y a blogueur et puis il y a blogueur. Il y a blogueur mouton et puis il y a blogueur DS. Il y a blogueur pauvre! Pense publicité! Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir été propre, maman, la sexy. Aïe, toi-même, tu as confiance à ton thé, tu n'as pas besoin de porter culotte. C'est-à-dire, ton thé même annonce ton arrivée. Voilà. Tu comptes, hey, la gawasse qui me regarde, là, comment ça prend Big F. Tu as venu m'insulter, mais tu as parti prendre mes produits. Pion. Le 00337, le 69, le 84. Le 12-27, c'est le numéro du bonheur, oh, ma soeur. C'est le numéro où il n'y a pas bruit là-bas, il n'y a pas palabre là-bas. Quand tu utilises ton thé impropre, même si tu es en culotte, on te dit faut passer. C'est de ça qu'il s'agit. Le 00337, le 69, le... Non, laisse, il y a un slip un peu bizarre. Voilà. Tu sais que moi, je me montre. Ta peau là, hein. Qui va à la piscine, qui se montre tout nu. C'est pas ça là qui a vous effrayé. Le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27. Pour celles qui sont en Afrique, oui, quand tu sont au Burkina, au Mali, où se trouve Sidiki Diabaté, au Congo, au Bénin, au Togo, au Sénégal, faut pas aller ailleurs. Au Maroc, ici là, il y a la paix. Il y a la paix. C'est le 00227, le 47, le 46, le 44, le 79. Pour achever ton thé, que ton thé soit propre. J'ai cité les noms de celles qui ont partagé. Voilà. Donc, pose partage. Vous venez me dire, Lolo Beauté, c'est toi en attend. Pour venir conclure, regardez. Ma bouche que Dieu m'a donnée là, c'est pour aller chercher l'argent. C'est clair. Ma bouche que Dieu m'a donnée là, c'est pour aller chercher l'argent. Le Burkina a dit, a signé, que l'autre ne rentre pas là-bas. Point. Je pense que la Côte d'Ivoire aussi a ses règles. C'est clair. Si la Côte d'Ivoire a ses règles, nous on est tout terrain. Alors là, chacun a ses règles. Nous on est tout terrain. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrivé un moment là, tout ce bruit, ce foutoir là. En fait, j'étais de loin et puis j'ai regardé. J'ai dit mais parti ça là. Eh ben dis donc. Yé bisangaye. Eh les Ivoiriens matures. Les Ivoiriens qui ont toujours insulté Lolo Beauté. Que toi Lolo Beauté tu es immature. Toi Lolo Beauté tu insultes. Toi Lolo Beauté. Eh ma soeur, toi aussi c'est bon mais. Lolo Beauté, ceci Lolo Beauté, déjà nous tous on est même chaud. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a même pas un qui est venu pour calmer l'affaire. Donc on est même chose. On cherche buzz comme ça, éclaté. Non! Si on nous insulte, nous on se dit, si un jure remplissait compte en banque, j'avais déjà payé. Je le dis et je le répète. Si un jure remplissait compte en banque, j'avais déjà payé la France. Et je serais en train de gouverner la France. C'est vrai. Parce que le monopole des injures, là, j'ai ça. En tout cas, tu as ça, d'être. Mais ça n'envoie nulle part. En tout cas. Donc, arrivé un moment là, commençons à réfléchir et à s'en donner à des buzz
qui n'ont ni tête, ni qui n'ont queue. Ni queue, il n'y a aucune caméra. Bon, celui-là est venu dire, bon, comme c'est notre soeur, on s'est jeté dedans. Bon, les Burkinabés aussi, ils défendent aussi les patries. C'est clair. Voilà. Ou alors on s'est déshabillé sur internet. Poum. On a montré nos poils. Poum. Jusqu'on a lâché. Poum. Regardez comment les Ivoiriens, vous êtes méchants. Tellement vous avez énervé, la femme, elle a lâché. Mais écoutez, c'est quel peuple ça là? Mais bon sang de bon sang de bon, bon Dieu. Dieu. C'est quel peuple qui énerve une femme quand elle lâche? Donc, c'est quoi ça? Boum. En tout cas, moi, depuis que je suis sur internet, là, c'est la première fois que je vois ça. Ivoirien. Les Ivoiriens, vous êtes comment? Vous êtes comment? Mais vous ne pouvez pas changer. Changer, oh! Vous avez gueulé, Lolo n'a qu'à changer, on surveille Lolo. Lolo n'a qu'à faire ceci. Bon, Lolo maintenant a changé. Elle a changé. Mais vous, vous avez poussé la femme jusqu'à le bruit que j'ai entendu là. J'ai dit, Seigneur. Boum. On peut lâcher comme ça? Arrêtez ça, On peut lâcher comme ça? Je n'aime pas ça, Pour les femmes, souvent, quand moi je vous dis, dirigez-vous là. Vous pensez que je m'amuse? Voilà. Quand je vous dis écraser les feuilles de Djeka, écraser ça bien, vous ouvrez vos cons là, et puis vous bouchez le trou qui est là-bas, les feuilles de Djeka là. Vous pensez que je m'amuse? Si vous avez écouté mon message, lâchement n'allait pas sortir. Vous avez énervé. Bon, ce lâchement, on ne sait pas si c'est dans le cul, moi, si c'est dans le con, moi, c'est dans quoi. Bon, voilà. Ça là, c'est pour. C'est une femme, on doit la défendre. Pour. Faites ça. Arrêtez ça. Pourquoi vous faites ça? Je vous ai dit écraser les feuilles de Djeka. Écraser ça. Mélanger avec un peu de miel. Un peu foutre ça là. 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 Ça va nous éviter le problème. Ça va nous éviter beaucoup de choses. Regardez-moi le bout. J'ai toujours mon cahier. Écrasé. Chez moi à la maison. Femme, dirigeons-nous vivants. Dirigeons-nous vivants. Tu as un rendez-vous. Pour éviter de lâcher comme ça. Et ce genre de lâchement, souvenez-vous bien. Je vous ai une fois dit qu'il y a des femmes, quand elles couchent avec les garçons, elles lâchent par leur con. C'est vrai, tu es là comme ça, le garçon, toi, t'entends pas, 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 t'entends. Depuis quand le con parle en langue? Vous avez entendu la langue qui a été dit? Depuis quand le sexe d'une femme parle en langue? Ben c'est gros. Vous voyez ça? Une femme doit avoir un caillou chez elle, des feuilles de djeka, un peu du miel. Purifiez un peu le trou qui est en bas de vous. Donc, ça va vous faire du bien. Aïcha. Moi je t'aime. En tout cas, moi, je t'aime. Je suis t'aime. Vos conneries là. Moi je suis dans mes business. Moi je suis t'aime là-bas. J'aime Aïcha. Je vous dis en même temps aujourd'hui, demain après demain, Aïcha Young là. Moi en tout cas, je l'apprécie. Je n'ai jamais eu problème avec elle. Jamais. Je l'apprécie. En tout c'est cas, la chose qui peut arriver. Mais quand ça arrive, le mot est la solution. C'est ça même. Il faut apprendre à se purifier. Une femme ne doit pas faire ça. Pour? Elles sont beaucoup dedans. Elles sont en beaucoup. J'ai dit feuilles de Djeka. J'ai dit, tu prends les feuilles de Djeka. Vous savez, rétrécissement d'un con caniveau. Astuce. Rétrécissement d'un con caniveau. Quand je suis en train de parler, regardez, vous êtes bêtes, vous me regardez. Après, vous allez lâcher vos gars. Vos gars vont vous pénétrer, vont attendre ton poum. Ils vont dire, mais c'est quoi ça là? Tu peux plus t'exprimer. Parce qu'un con qui parle en langue, vraiment, je ne sais pas de quelle parole il fait sortir. Ça fait sortir. Regardez-moi ça. Tu es en train de me regarder, je suis en train de te donner pause publicitaire. Je vais vous donner des recettes. Vous ne voyez pas comment moi. Regardez, quand tu fais des enfants, et puis il y a d'autres qui n'ont pas fait enfant, et puis ça lâche. Vraiment, des. Ah là. Ça, c'est grave. Je vais réfléchir à une manière forte. D'accord. Parce que les hommes, ils souffrent. Ils souffrent, non, disons-nous la vérité. En tout cas, les hommes souffrent. C'est parce qu'ils n'ont pas envie de parler, de s'exprimer. Quand ils rentrent en nous, ils disent que oui, tu es là. Ah, toi-même, ton kiki, il est petit. Tu es sûr que c'est son kiki qui est petit? C'est gros. Je me demande. En bas est gros. Je me demande. En bas est large. Non, je me demande. En bas, petit bas, il fait nuit, il y a des choses, j'ai pas envie de parler. C'est là qu'il faut parler. Mais pour vous dire, avant de continuer, Ivoirien Burkinabé, nous sommes frères. Frères, depuis des lustres. Eunice, tu es ma petite soeur. Yes. Pardon. Faut laisser faire. Ça varie. Regarde tout ce que ça engendre. Akane. Bon. Quand on dit Côte d'Ivoire, Burkina, c'est juste à côté. Ne prenons pas quelques graines de Burkinabé sauvages
et quelques grains des Ivoiriens sauvages. Non, Burkinabé sauvage et certains grains des Ivoiriens cons. Ils vont se battre et puis entraîner tout un peuple. Je pense que quand c'est Lolo là, hein, c'est Lolo qui est allé chercher par là, bonjour. Cette fois-ci là, regardez le bordel que vous avez suivi. La vie est douce. Moi, le seul problème que j'ai retenu de cette bagarre là, c'est que con des femmes lâches. À quelque chose malheur bon. À quelque chose malheur bon, il y a recette de ça, hein. À quelque chose malheur bon. Mais il y a beaucoup de femmes comme le ça. Le trou pas dans l'angle. Tonton pou 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 pou. Merde! C'est quoi ça? C'est dans tout votre foutoir de mère con, imbécile, les cafards que vous avez tout fait là. Moi, tout ce que j'ai retenu de loin, c'est que il y a des cons qui ont passeport diplomatique. Eux, ils passent partout. On peut lâcher comme ça dans le con. Tout ça, la peau des Ivoiriens. On peut lâcher comme cela. On peut faire sortir autant d'air comme ça. C'est possible ce degré de ça là. C'est possible. Non, comme j'ai parlé, vous allez dire que. En fait, c'est pour moi là, vous attendez pour tout gâter le coin. Dit, mais vous n'allez jamais, vous l'avez vécu. C'est pour moi là. Regardez, moi là, je m'en vais manger sur les champs. J'ai pas un problème. Mais moi, le Seigneur m'a dit en tant que prophétesse Anne, ma prophétesse, avec l'onction que j'ai mise sur toi, viens prophétiser dans le con de certaines femmes. Parce qu'il y a des cons profanés. Ah, c'est ça, hein. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, ouais. Pause publicité. Oui, pause partage aussi, hein. Et pause, est-ce qu'il y a beaucoup de partage? Attends, je vais vous livrer des secrets ce soir là. Des femmes gawas quoi. Et regardez Lolo Beauté, 5 enfants. Mais je suis épanouie. Lolo est chaude. Je vis ma life. Ta vie chauffe d'air. Hein? C'est intéressant ça. C'est intéressant, hein. Voilà. Je regarde le nombre de partages d'abord avant de continuer. On veut les 60-70 partages. Dans ce qui se passe, il y a beaucoup de choses. Vraiment. On peut lâcher comme ça. On peut faire ça en direct. Même moi le caillou. Vraiment. Ah là 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 là. C'est compliqué. Je ne vois pas mes 2000 partages. Tant qu'on n'a pas atteint les 2000 partages, je ne dis pas le nom de quelqu'un. Ah, c'est ça, hein? Je dis, les hommes, écoutez-moi bien. Parce que c'est vous qui prenez la poisse. Vous ne savez pas qu'il y a des cons quand vous partez là-bas, là. Vos affaires ne marchent plus. Ça marche plus, d'être. Vous ne savez pas que quand vous partez dans des trous profanés, vous avez des problèmes. Vous, ça fait... Ça, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes. Problème sur problème. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ça dépend de ce qui est en bas. Comme moi, j'ai parlé, vous trouvez que le beauté est gâté. Mais pourtant, je suis en train de sauver des foyers. Ah, c'est ça, hein. Je suis en train de sauver des couples. Pour sauver le donc, une femme doit être proportionnelle à sa gorge. Comment ça? Le nien d'une femme doit être proportionnel à sa gorge. De la même manière que ta gorge ne peut pas être déployée à cœur ouvert, c'est comme ça le trou d'en bas doit être entretenu. Vous n'entretenez pas le trou qui est en bas et vous êtes étonné de voir que ça parle en langue. Vous me demandez ce que c'est que les feuilles de Dieu. Vous ne pouvez pas les taper sur Internet. C'est moi quand j'ai venu vous dire qu'est-ce que c'est que les feuilles de Djeka. Une femme qui ne connaît pas les feuilles de Djeka, mais c'est une femme qui ne doit pas rentrer dans un foyer. Tu prends les feuilles de Djeka secs, tu écrases, bien lisse, tu mélanges avec un peu de miel. Quand ça forme une boule là, c'est-à-dire tu prends un peu de beurre de karité aussi. Et puis tu mélanges les trois. Qu'est-ce que j'ai dit? Les moutons là, vous me regardez là. Vous ne pouvez pas prendre bique et feu. Ce soir, ton homme va rentrer en toi. Il va attendre ton con parler. C'est quoi ça là? Le corps d'une femme, c'est le sanctuaire du Saint-Esprit. On t'a jamais dit que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais de la même manière que ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu dois prendre soin de ton corps. C'est ça, de chaque partie de ton corps. C'est et là, le point sensible d'une femme. Excusez-moi, on m'appelle là, j'ai mon rendez-vous. Allô? Ah, c'est coupé. C'est coupé, oh, pardonnez. Le point G. Oh, lui là même, il fait quoi même? Ici, là, on n'est pas à Abidjan, hein?
Il n'y a pas de loi ici. Allô? Oui? Comment? J'entends pas, je te mets sur haut-parleur, tu dis? Le chauffeur, ah, ok. Donc, faut lui dire, n'a qu'à m'attendre. Dans d'ici 30 minutes, je vais descendre. C'est lequel des chauffeurs, s'il te plaît? Hey, ici, on n'est pas à Abidjan. Hein? Ici, là, moi, j'ai la loi. À tout à l'heure. Dis-lui 30 minutes, je descends. Tiens, fais-toi partie. Tranquille. Donc, vous ne savez pas que le bas d'une femme, là, c'est son sanctuaire. C'est son sanctuaire d'être. Tu dois prendre soin de ça. Entretenir le bas. Quand un homme y rentre, c'est-à-dire le sanctuaire doit sentir d'abord bon. Parce que nous, les femmes, on garde beaucoup d'odeur là-bas. Tout le monde connaît pas sentir le con. Eh, le perroquet. Ah! C'est-à-dire là-bas, doit sentir un bon. Tu regardes ton gars et puis tu ouvres comme ça. Eh, hey, bébé, faut mettre ta tête là-bas, oh, maman. Il va mettre sa tête dans quoi? Dans ce foutoir qui est en bas là-bas. Mais respectez les hommes. Donc, ma soeur, mouton, écrit. Feuille de Djeka. Eh, eh, feuille. De Djeka. Feuille de Djeka. Je répète. Feuille. Hey, les garçons, tu dois obliger ta femme à faire ça. Parce que souvent, il y a des femmes là. Comme elles n'aiment pas le beauté. Ah, moi, je, c'est la même là. Si elle connaissait tout ça là, elle allait retenir un homme. Oui, c'est moi, je chasse homme. En tout cas, tu chasses. Moi, je prends et puis je chasse. Mm-hmm. Et puis je change. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est doux. Je donne à celui qui peut bien entretenir ce qui est en bas. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es en train de parler. Hey, mouton là, tu prends feuille de Djeka, tu écrases, tu mélanges avec du miel. Après, tu prends le beurre de karité, tu formes des boules. Boules, boules. Mais là, boules. Si ton en bas est beaucoup gros là, faut former de grosses boules comme ça. Yeah. Bah, il faut apprendre à boucher ce qui est en bas là. Tout boucher. Tu fais de grosses boules comme ça. Et puis tu mets là-bas. Tu mets ça au congélateur. Yeah. Quand c'est bien glacé, bien formé là. C'est-à-dire toi-même, tu es là comme ça, et puis tu ouvres comme ça, derrière là, tu es là, tu ouvres comme ça, maman, tu ouvres comme ça, c'est comme ça on se place. Hé, regardez là, regarde bien, regarde au lieu de parler là, tu es là comme ça, tu ouvres, tu t'abaisses comme ça, comme si tu veux te purger, maman, et puis tu prends. Regarde, faut pas te tromper de route, parce que la femme là, il y a deux trous en bas, il y a ce qu'on appelle pour chier là, et puis il y a ce qui est en bas qui est doux pour les garçons là, tu places bien ta main, puis tu fous ça là, ça fait, tu vas faire plou, plou. Maintenant, il y a la position de crabe aussi. Et ceux qui s'abaissent comme ça, puis même comme ça. Voilà, il y a la position de crabe. Voilà. Tu peux t'abaisser aussi comme ça. Faut bien faire, faut bien faire. Voilà, faut bien faire, faut bien faire. Faut bien faire. Seigneur, tellement je suis habitué. Faut bien faire. Voilà. maintenant, voilà, baisse ça bien, baisse ça bien. Baisse. Attention. Faut pas avoir mon cul. En tout cas, les caches. Tu t'achètes, les caches. Voilà, tu mets ça dedans. Ça fait plus tranquille. Tu te réveilles. Voilà. Tu t'abaisses bien. Si tu as Kodjo, tranquille. Kodjo là c'est quoi? On est en France ma soeur. Kodjo c'est quoi? Vous n'avez pas dit vous les femmes vous aimez beaucoup Vania. Vous Kodjo là c'est les pannes que tu n'utilises plus là. Tu prends, il m'appelle encore pour quoi? Oh, okay. Moi je n'aime pas ça. Faut aller répondre. Tu prends Kodjo, les anciens pannes là, tu déchires en quatre. Tu prends une partie, tu plies en quatre. Tu mets, ma soeur, tu mets ton caleçon dessus. Le Kodjo n'a qu'à rester en bas. Maman, ça va chauffer. Et toi-même, tu vas voir les saletés qui vont descendre. Il y a plein de saletés qui vont descendre. Parce que ça va purifier. C'est-à-dire, on appelle ça une purification vaginale. Ça purifie et puis ça enlève tout ce qui est rotopo, tout ce qui est impureté. Parce que vous savez, nous les femmes, on a connu beaucoup d'hommes. Il y a des hommes aussi là. Leur queue est profanée. Donc tu sors et tu as problème. Moi j'ai une technique. Quand je sors avec un homme, je regarde mes finances. Est-ce que mes affaires marchent? Est-ce que si ça ne marche plus, je te dépose là où je t'ai pris. Même si tu es le président de la République de Côte d'Ivoire, je te dépose. Parce que mon travail avant tout. Donc tu fermes ce qui est en bas là. Un peu. Ça va te faire du bien. C'est-à-dire tu mets le Kodjo. Ça va t'éviter de lâcher. Quand on dit une femme lâche, regardez comment ça se loue. Tu as lâché. Tu as ponté. Tu as lâché. C'est-à-dire qu'on dit là. Pour. En même temps, on voit ton con. Et puis on dit chier. Peut-être même c'est déchiré. Il y a un seul trou. Donc c'est très vilain à voir.
djeka, miel, un peu de beurre de karité. Tu fais des boules en proportionnel à ce qui est en bas de toi là. Et puis tu gardes. Et puis tu mets ça là-bas. Au moins deux fois dans la semaine. Maintenant, le jour tu sais que tu te vas coucher avec ton homme. Parce que nous, les femmes, on mougou beaucoup. Je suis une mougousseuse professionnelle. Mais tu n'es pas plus mougousseuse que moi. Je suis une mougousseuse professionnelle. On dit qui mougoule, soulever les doigts. Ah oui, c'est ça qui s'agit. Moi. Et ça, c'est un plaisir qui détend. En tout cas, des... Parce que quand tu es trop nerveux, quand tu mougou, tu es détendu. Et surtout quand tu sais faire. Et surtout quand tu sais très bien le faire. Aïe, aïe, c'est ça qui s'agit. Donc, tu sais que tu t'en vas comme ça en position de crabe. En position de crabe comme cela. Parce que quand tu dis position de crabe, tu vas te courber. Parce qu'il y a des femmes, dès qu'elles font comme ça, quand elles font comme ça, quand elles disent bébé, coupe-toi. Quand tu fais comme ça, tu attends. Aïe, un homme, tu t'as baissé, puis il a entendu ce vent. Il débande. Ne faites pas ça aux hommes. Fais pas ça. Eunice, grâce à toi, tu es en train de sauver la vie des femmes. En tout cas, elle va sauver beaucoup, Tu es en train de sauver la vie des femmes. On va plus voir les lâchements en direct. Des lâchements comme ça. Pour? On peut faire ça. Pour? C'est pas bien. Les Ivoiriens ont traumatisé la pauvre dame. Ivoiriens. Quand on t'entend, vous n'êtes pas bien. Arrêtez ça, les Ivoiriens. Ce qu'on fait là, c'est pas bien. C'est pas bien. Une histoire qui a ni tête ni queue, on n'est même pas au courant de tout ça. Et puis on s'en met nos bouches dedans. Pouh, voilà, poum est sorti. C'est pas bien. C'est pas bien. Moi, vous dites que c'est la seule qui lâche. Pourtant, vous me qui n'est pas là beaucoup. Moi, j'étais une grande lâcheuse. Vous êtes dedans, vous lâchez beaucoup. Mais grâce au Jeka. Apprenons aussi à vous piriger un peu. C'est ça. Une femme, ça doit se piriger. Moi, en tout cas, je me pirige en désordre. Quand tu te piriges, il y a numéro 12 et numéro 14. En tout cas, moi, il y a numéro 10. Le jour, je mougou beaucoup, je prends le numéro 14. Je fous ça dans mon anus. Souvent, même le trou, même, je me perds des trous. Après, je saute là-bas. Parce que quand le piment passe ailleurs, ça fait très mal. Voilà, faut se piriger. Faut se faire du bien. Les hommes, vraiment. C'est quand même décevant d'en parler, mais souvent ça sauve des vies. Ça sauve des vies, hein? Sauvant des chattes. C'est très important. Mais si là-bas, sauvant les chattes. Sauvant des chattes en perdition. En tout cas, ça fait du bien. Oui, Niki Choubams. C'est très important. C'est clair, hein? Ma chérie, Diva de Paris. Ou bien, c'est très important. Moi, quand je dure dans la douche, j'ai duré parce que ce qui est en bas de moi là, c'est-à-dire, moi quand je me lave comme cela là, c'est-à-dire mes deux lèvres qui sont à côté là, c'est-à-dire je tamise. Parce que si un homme te dit il t'aime là, oui, il va t'aimer pour tout. Mais tout ce qu'il va chercher après là, quand il va rentrer, est-ce que c'est proportionnel à ma queue? Quand tu t'en vas chez un homme, tu ne sais pas si c'est Kiki Net, si c'est Anaconda, si c'est quoi que ce soit. Quand il rentre chez une femme là, il doit frapper coco. Ouais, faut avoir quand même un corps de 16 ans. 16 mais ans. Tu as un corps de 180 ans. Un con de 16 ans. Faut avoir quand même un sexe de 16 ans. C'est très important. Comme ça, quand tu couches avec ton homme là, il sait que voilà. C'est-à-dire, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça même. C'est doux. C'est doudouri. Moi, depuis que tu mougues avec un homme, jamais il a une fois dit que ton con est doux. Mais pose-toi la question. À savoir, qu'est-ce que je traîne chaque matin avec mon corps? Tout garçon. Tout garçon. Bébé, il doit quand même te dire une fois dans ta vie que c'est doux. Ton con est doux. Donc ça doit s'entretenir. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Est-ce que toi tu me regardes, tu es en train de m'insulter? Est-ce que toi même ton gars une fois dit que ton con est doux? On doit dire diva, ton con est doux. On doit dire diva, ton con est doux. Amanda, ton con est doux. Et Niki, avec tout le respect, ta chatte est douce. Yasmine, ton con est doux. Yasmine, ma fille. On doit dire ça. On doit dire que c'est doux. Voilà. Vous ne savez pas qu'il y a une saveur dans le sexe d'une femme? C'est doux, hein? Il y a des saveurs. Ou bien Niki Chou. Souvent on est là, oui, toi Lolo beauté. Si ça ressemble à tunnel, on va dire quoi? La belle Maya, on doit dire ton con est doux, hein? On doit te dire que ton con est doux. C'est très important. En tout cas, Réa, ce qui est en bas de nous là, ça n'appartient pas à autre personne, c'est pour nous. Est-ce que ce qui est en bas de toi là, ça appartient à quelqu'un d'autre? C'est pour toi d'être. Quand tu te réveilles matin, quand tu regardes, tu dis ah, c'est en place, c'est pour moi. C'est pour toi d'être. Ce qui est pour toi, prends soin de ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est clair, c'est clair. On te dit que c'est doux. C'est clair. La vie est un choix. Moi, je suis venu vous parler pour vous dire, Ivoirien Burkinabé, on est tous des frères et sœurs. Claire. Arrêtons de s'insulter. Seuls les immatures sont toujours là en train de, oui, ceci, ta mère, con, oui, tu es ceci, tu es cela. Moi, je viens tout doucement vous dire,
ça n'en vaut pas la peine. Merci là-bas. Restons dignes. Élégants. Oui, la belle Béa, comment vas-tu? Restons sereins. Qu'est-ce que... Oh, moi je n'aime pas. Quand un gars même te donne rendez-vous puis t'appelle pour ça, je n'aime pas. Mais c'est son chauffeur qui est venu. Quand on a beaucoup d'argent, on n'est pas pressé. Ah, moi j'ai reçu ma part, donc il faut faire ta foutre le camp. Tranquille. Non, c'est une réunion d'affaires, le bordel là. Réveillez-vous, moi je suis une femme très fidèle. C'est une réunion d'affaires. Réveillez-vous. Ne partez pas dire à mon chéri, voilà, Lolo, on l'a vu saper. Je ne suis même pas saper, fait beaucoup fraude. Je vais manger pour parler à faire. C'est tout. Voilà, déposez mon tout près là. Je ne suis pas dans votre borderie là. Moi, quand je parle là, c'est pour l'argent. Quand je sors, c'est pour l'argent, mais l'argent propre, pas l'argent des bordels. Non. C'est de ça qu'il s'agit. Avec les petits bisous. Toi, tu sais pas ce qui va t'attendre tout à l'heure. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les femmes. J'ai cité les noms. Si on n'est pas à 2000 partages, je ne cite pas le nom. On a 1197. Non, je ne cite pas les noms. Je ne cite pas les noms. 2000 partages avant que je ne cite les noms. Voilà, 2000 partages. Voilà. Donc, comme vous êtes fatigué de partager, donc c'est pour prendre mes recettes, moi je m'en vais. Pause publicitaire. Voilà, pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, élégant. Vous contactez Lolo Beauté du 000337 au 69 au 84 au 12 27 au 00225 au 47 au 46 au 44 au 79. Tranquillement. Les produits sont toujours disponibles chez Lolo Beauté. Quand je cite vos noms, il dit que vous avez gagné là. Vous avez 3 jours pour retirer votre carte. À part les 3 jours, c'est nul et sans avenir. Parce que je vous fais plaisir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les femmes, avant que j'y aille, j'y vais. J'ai un petit conseil. Prenez bic et feuille. Le bic est là. Prenez bic et feuille. Vous savez, est déjà là. La vie où on s'en va, là, on meurt beaucoup. Hein. Vous savez ça, non? Ah, moi, lui, là, attends, il n'a qu'à attendre. Je cause mes fans. Ah, oui. Parce que, voilà, je dois aller en Suisse pour 3 jours. Donc, je n'aurai pas le temps la semaine. J'ai un petit conseil à vous donner. Faut donner. La vie est un plaisir. Voilà. Il y a des femmes, elles sont là. J'ai duré avec mon homme. Je vis pas. On n'est pas heureux. On fait pas bien les choses. On est tout en train de se discuter. La vie, c'est un plaisir. Ce soir-là, regarde ton homme et dis-lui plein de bonnes choses. Je dis, Parce que souvent, nous, les Africains, on est toujours là pour insulter, pour se mêler des affaires qui ne nous regardent pas. Toujours, on est un peu de sauvages. La plupart, mais la majorité qui sont classe. Réa, souvent là, dis à la personne que tu aimes là, tu lui dis bébé, je t'aime. C'est très important. Allez-y, dis je t'aime. Et les femmes sauvages, à vous qui me regardez là, ce soir là, faut dire à ton mari, à ton chéri, à ton gars, tu le regardes toi dans les yeux, mon en nounou, souriant. Je t'aime. En souriant, c'est de ça qu'il s'agit. Mon nounou, je t'adore. Tu dis mon prince. Mon roi, je t'aime. Je t'aime. Je t'adore. Je t'aime. C'est de ça qu'il s'agit. Je t'aime. La vie, même moi le frère, donne-moi un peu quand je t'aime. Quand je t'aime. Non, même moi le son et puis je l'ai parlé. Ah non, là je vous. Toi aussi. Mais seulement le titre, quand je t'aime, j'ai envie de les parler, envie de sauver un petit couple ce soir. Je t'aime. Non, pardon, ta voix est trop dure. Quand c'est je pas. T'aime. Non, c'est encore dur. J'ai l'impression. Non, c'est encore dur. Oulo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 l, pardon. Pardon. Attention, c'est parce que je suis pas encore au lit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit d'être. Attendez, vous allez écouter un peu. Genre, soyons heureux. Vous m'avez pas le poté, moi je n'ai aucune haine. Je suis heureux. Zen. Le vent me souffle. C'est de ça qu'il s'agit. Bientôt la glace va me souffler. C'est de ça qu'il s'agit. Essaye de voir si ça a allumé. J'ai trop parlé ce soir. La vie est un choix. Shalom.